Je m'appelle Stéphanie, je suis chef de cabine à Air France. Ce matin, nous faisons un aller-retour sur Bordeaux ainsi qu'un aller-retour Marseille. C'est un métier quand même difficile parce qu'il nous faut vraiment une excellente santé. On ne peut pas se permettre de se coucher tard le soir quand on se lève à 4h du matin pour aller travailler. Bonjour! Dans le métier PNC, c'est de travailler avec des gens différents tous les jours, de travailler dans un environnement différent tous les jours et d'avoir un contact humain en permanence. Le niveau de formation, il nous faut un CFS qui comprend une partie théorique et une partie pratique. Il faut valider ce diplôme par des heures de vol, par 60 heures de vol. Et c'est mégaphone. Ensuite, vous avez une formation régulière, chaque année. Je vous mets les Emerlites sur on, vous vérifiez dans la galet, cabine, toilette. Merci. On a des stages de formation commerciale, des stages formation sécurité, sûreté. Merci. En permanence. La ciel est ouverte, Philippe, c'est bon, on n'a rien à signaler derrière, si ce n'est le gilet qui a été changé. Les plans de carburant sont terminés, les premiers passagers d'ici 2 à 3 minutes. J'aime les horaires décalés, j'aime dormir à Moscou un soir et me retrouver à Tunis le lendemain. Ça demande une grande organisation côté vie privée. On a notre planning un mois à l'avance, ce qui est un petit peu dur aussi pour pouvoir planifier des activités, des sorties. 94. Et on vit à la minute. Nous avons 94 passagers pour le moment. Madame, monsieur, bonjour, je m'appelle Stéphanie Castagny, je suis votre chef de cabine sur le vol. Ce métier, c'était un choix pour moi dès le départ. J'ai intégré Air France au sol en 95. J'ai travaillé au passage, à la gestion des vols, au planning des agents. Et j'ai terminé responsable du salon VIP à l'escale de Londres. Et ensuite, naturellement, dès que j'ai eu l'occasion de pouvoir enfin devenir navigante, je me suis précipitée. Et là, c'était le but premier de ma carrière. Bien, on embarque. Tout à l'heure. Au revoir, à bientôt.